J'ai décidé de faire une petite vidéo making of pour expliquer la création de la forêt. L'idée est partie de cet été, tous les feux de forêt qu'il y a eu en France, et ça m'a beaucoup affecté, touché. Et même si moi j'ai pas été témoin, il y a quand même des fois où je l'ai senti, ce feu de forêt qui partait un petit peu partout en France. Et bon, c'est quelque chose quand même auquel il faudrait qu'on fasse attention, parce que à force de sécheresse, les feux, la végétation n'est plus là pour garder l'humidité dans le sol. Et à un moment, c'est le début de la désertification. Alors oui, bon, c'est un peu alarmiste peut-être maintenant d'y penser, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc j'ai voulu exprimer ça. Et pour ce faire, donc, j'ai utilisé des branches de bois ramassées dans la forêt, que j'ai brûlées. Donc, j'ai essayé plusieurs techniques. Tentative numéro 1. On verra demain ce que ça donne. D'abord, tout simplement, c'est la fin de l'été, un petit barbecue. On essaye de brûler sur le barbecue, et bon, ça marche pas super bien. C'était très long, et à part allumer un feu dans le jardin et tout passer dedans et essayer de pas récupérer que du charbon, c'était un peu compliqué. Donc, deuxième solution, je me suis dit un petit chalumeau, ça passe toujours bien. Donc on a fait au chalumeau. Et j'ai passé chaque branche au chalumeau plusieurs fois, parce que la première fois, finalement, c'est l'écorce qui part. La deuxième fois, ça commence à brûler, donc voilà, ça prend du temps. Et ensuite, pour donner un petit effet encore plus fin, j'ai passé de l'huile de lin dessus. Et ensuite, il fallait trouver une solution pour les faire tenir debout. Donc la solution la plus simple, c'était là, sur une planche de bois que j'ai récupéré et fixé en dessous avec des vis. Voilà la genèse de l'œuvre. Ma petite déception, c'est que j'aurais bien aimé aussi qu'il y ait une lumière rouge qui soit là pour faire l'ambiance et rappeler le feu. Mais ça n'a pas été possible pour des raisons techniques, parce qu'il n'y avait pas de prise à l'extérieur. Donc les aléas de l'exposition. Et voilà, et pour le cartel, je me suis dit qu'on allait rester sur le même principe. Donc j'ai récupéré des rondelles de bois et avec un pyrograveur. Voilà, on a représenté la forêt. Voilà, pour moi ça c'est la forêt du 22e siècle, si on ne fait pas attention. Celle qui va nous rester, celle qu'on laissera à nos enfants. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Inch'Allah, comme on dit.